Allô tout le monde! Je vous souhaite la bienvenue à cette séance yoga avec chaise. Vous aurez besoin d'une chaise et d'un tapis de yoga, mais c'est optionnel le tapis. Assurez-vous cependant que la surface sur laquelle votre chaise sera déposée n'est pas trop glissante afin que vous soyez en sécurité jusqu'à la fin de la séance d'exercice. Apportez-vous une bouteille d'eau et une serviette. Alors, vous êtes prêts à commencer? On y va! Maintenant, placez les deux pattes avant de votre chaise sur le bout du tapis, comme ceci. Et asseyez-vous. Alors, sur le bout de la chaise, vos pieds sont à la largeur de vos hanches. Vos talons sont directement en dessous de vos genoux. Gardez votre dos droit, rentrez votre ventre serré. On commence avec un échauffement. On inspire et on expire. Encore une fois, la même chose. OK, maintenant, on lève les bras détendus vers le haut. Et on redescend. Allongez votre jambe maintenant. Droite et gauche. Levez vos bras encore. Et on redescend. Allongez votre jambe droite et gauche. On s'étire vers la droite. On redresse et à gauche. Encore une fois vers la droite. On redresse. Maintenant, levez votre genou droit. On allonge. On plie. Et on retourne le pied au sol. Genou gauche. Allonge, plie, et on retourne au sol. Allonge, plie, on retourne au sol, et gauche. Maintenant, talon devant, rotation des épaules. Rotation à droite et à gauche, avec le dos bien droit. Talon devant encore. Et rotation à droite et à gauche. On reprend du début. Levez vos bras. Et on redescend. Allongez votre jambe droite et gauche. Encore une fois, levez vos bras. On redescend. Allongez votre jambe. Encore une fois. On s'étire vers la droite. On redresse et à gauche. Encore une fois de chaque côté. Levez votre genou droit. On allonge. On plie. Retourne au sol. Jambe gauche. Allonge. Plie. On retourne au sol. Encore une fois de chaque côté. Et à gauche. Talon devant. Rotation des épaules. Rotation complète à droite et à gauche. Talon devant encore. Rotation à droite et à gauche. Levez vos bras une dernière fois. Et on redescend. Allongez jambes droite et gauche. Levez vos bras encore. On redescend. Allongez. Droit et gauche. Alors, vous êtes bien assis sur l'avant de votre chaise. Vos pieds sont à la largeur de vos hanches. Vos talons directement en dessous de vos genoux.
Alors, on commence avec un exercice qui s'appelle le chat qui danse. Vous allez amener vos mains à l'arrière de votre chaise comme ceci, arquer le dos, regardez en haut, on ouvre bien grand. Maintenant, allez chercher votre genou droit et amenez votre front au genou. Encore une fois, on ouvre bien grand et on va chercher le genou gauche. On ouvre bien grand. Amenez votre front au genou droit. On ouvre bien grand encore une fois. Amenez votre front au genou gauche. Et on relâche. Bras de chaque côté maintenant. Levez vos bras, amenez le dessus de vos mains ensemble. Maintenant, poignet fléchi, descendez vos bras à la hauteur des épaules, les bras bien tendus. Encore une fois, on y va. Et on descend. On lève et on descend. On lève encore et on descend. Encore trois fois la même chose. Et une dernière fois maintenant. Et relâchez vos bras maintenant. Bougez vos épaules un petit peu. Alors, le suivant est un peu différent. Alors, on lève les bras devant. Fermez vos poings maintenant et rotation des poignets en descendant. On en fait quatre. Bras bien tendus encore. Même chose. On lève les bras devant. Et rotation des poignets. Quatre. Trois. Deux. Et un. On lève. 4, 3, 2 et 1. Et on le fait une dernière fois, on lève. 4, 3, 2 et 1. On bouge les épaules encore un peu. Alors cette fois-ci, pliez vos bras, fermez vos poings et on ouvre les mains très, très grands. Et on ferme. On ouvre et on ferme. On ouvre et on ferme. On ouvre et on ferme. Et on le fait une dernière fois maintenant. On ouvre et on ferme. Déposez vos mains sur vos cuisses maintenant. Quelques secondes. Alors, amenez vos mains en position de prière comme ceci. Levez vos coudes devant votre poitrine. Descendez vos épaules. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est vous allez tourner vos mains vers l'avant, vers moi, comme ceci. Et on va dans l'autre direction maintenant, vers soi. Encore une fois, vers l'avant. Et dans l'autre direction. En avant. Et vers soi. Et devant, et vers soi, une dernière fois maintenant, en avant, et vers soi, et on relâche un petit peu, alors bougez vos poignets, bougez vos bras, on reprend la même position exactement, cette fois-ci, vous allez lever vos coudes bien haut, descendez vos épaules, vous allez pousser vos mains vers la droite et là, vous allez pousser vos mains une contre l'autre et on garde comme ça quelques secondes. On revient au centre. Maintenant, déplacez vos mains vers la gauche. Même chose, on pousse le bas des mains un contre l'autre. On revient au centre. Encore une fois à droite, la même chose. On pousse les mains une contre l'autre. On revient au centre. Une dernière fois à gauche maintenant. On pousse les mains. Une contre l'autre. On force, on force, on force et on garde un peu. Et on revient au centre. Et relâchez maintenant. Alors, on va étirer les poignets. Alors, allongez votre bras droit, laissez tomber votre main. Et avec votre main gauche, allez faire une pression légère contre votre main droite. Quelques secondes.
Et on fait la même chose avec l'autre main. On pousse légèrement, pas trop fort. Et on relâche. Main sur vos cuisses. Alors maintenant, on va lever les épaules bien haut. On s'en va en arrière le plus loin possible et on descend le plus bas possible. Encore une fois, on lève. On s'en va derrière. Et on redescend. On lève. On s'en va derrière. Et on redescend. Encore deux fois la même chose. On lève. On s'en va derrière, loin. Et on redescend. Une dernière fois, on lève. On s'en va derrière, loin. Et on redescend. Maintenant, allongez votre bras droit. Amenez-le un peu vers la gauche. Avec votre main gauche, allez pousser le bras vers vous. Descendez l'épaule. Et on garde comme ça. On inspire, on expire. Relâchez maintenant, allongez votre bras droit, amenez votre main droite dans le haut du dos et tirez votre coude vers la gauche avec la main gauche. Et relâchez, allongez votre bras gauche. On s'en va vers la droite un peu. Avec votre main droite, vous allez pousser le bras vers vous, descendez votre épaule. Relâchez, allongez votre bras gauche, amenez votre main dans le haut du dos, tirez le coude vers la droite. Et relâchez. Placez vos mains sur vos cuisses, inclinez votre tête vers la droite, poussez vos épaules vers le bas. Maintenant, avec votre main droite, vous allez tirer un peu plus vers la droite. Allongez votre bras gauche. Poignet fléchi, on va pousser vers le bas. Et poignet arrondi, on pousse vers le bas. Alors, en même temps, poussez votre épaule vers le sol à chaque fois. Comme ceci. Alors, poignet fléchi. Et arrondi. Poignet fléchi. Et une dernière fois. Et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, inclinez votre tête vers la gauche. Poussez vos épaules vers le bas encore. Maintenant, avec votre main gauche, allez tirer un peu plus vers la gauche. Allongez votre bras droit. Alors, même chose. Poignet fléchi. On pousse l'épaule vers le bas. Et arrondi. Fléchi. Et arrondi. Encore trois fois. Poussez l'épaule bien bas. Et une dernière fois. Et on relâche. On bouge les épaules un petit peu. Et on va enchaîner maintenant avec une salutation au soleil. Alors, inspirez, levez vos bras de chaque côté. Expirez, on s'incline vers l'avant maintenant. Relâchez votre tête, vos épaules, vos bras. Amenez votre main gauche sur votre pied droit. On se tourne vers la droite. On garde quelques secondes. Et on retourne en avant. Relâchez votre tête, vos épaules, vos bras encore une fois. Maintenant, placez votre main droite sur votre pied gauche. On se tourne vers la gauche. Et on revient au centre. Alors maintenant, placez le bout des doigts sur vos pieds. Redressez votre dos, regardez en avant. Et maintenant, inspirez, levez vos bras au ciel. Expirez, descendez vos mains devant votre cœur.
Alors, on va faire la même chose une deuxième fois. Alors, on inspire. Expirez. On s'incline en avant. Relâchez votre tête, vos épaules, vos bras. Main gauche sur le pied droit. On se tourne vers la droite. Et on retourne vers le bas encore une fois. Main droite sur votre pied gauche. On se tourne vers la gauche. Et on revient au centre. Relâchez votre tête, vos épaules, vos bras encore une fois. Placez le bout des doigts sur vos pieds. Redressez votre dos. On regarde en avant. Maintenant, inspirez. Levez vos bras au ciel. Expirez, descendez vos mains devant votre cœur. Alors maintenant, on va enchaîner avec des exercices pour les muscles abdominaux. Alors vous allez placer vos mains chaque côté de votre chaise comme ceci. On s'incline vers l'arrière. Attention de ne pas lever vos épaules. Rentrez votre ventre serré. On va lever une jambe à la fois. Alors on commence avec la droite. On garde un peu. Et on redépose. Jambe gauche. Et on redépose. Droite encore. Et on redépose. Encore une fois de chaque côté, jambe droite. Et jambe gauche. Et on redépose. Redressez-vous maintenant pour détendre un petit peu les muscles du bas du dos. On va refaire le même exercice, sauf que cette fois-là, on va alterner une jambe avec l'autre. Alors, replacez vos mains. On s'incline vers l'arrière encore. Alors, on lève la jambe droite et on change pour la gauche. Droite et gauche. Encore la même chose. Ramenez votre pied gauche au sol. Encore une fois, redressez-vous. Inclinez-vous vers l'avant un petit peu. Appuyez-vous sur vos cuisses pour détendre les muscles du bas du dos. On refait une troisième série. Cette fois-là, on va lever les deux jambes en même temps. Alors, si vous trouvez ça trop difficile, reprenez celui qu'on vient de faire, une jambe après l'autre. Placez vos mains de chaque côté de la chaise encore. On s'incline vers l'arrière et on lève les deux, pas trop haut. Et on descend. Encore deux fois la même chose. Rentrez votre ventre serré. Et on retourne au sol. Encore une fois. Inclinez-vous vers l'avant. Quelques secondes. Et redressez-vous. Alors, gardez vos pieds, la largeur de vos hanches. Maintenant, amenez votre main gauche à l'extérieur de votre genou droit. Votre main droite derrière vous. On se tourne vers la droite. Avec le dos bien droit. On revient devant. Alors, main droite maintenant à l'extérieur du genou gauche. Et on se tourne vers la gauche. Dos bien droit encore. Et on revient en avant. Alors maintenant, vous allez vous tourner vers la gauche comme ceci. Alors, ayez votre fesse gauche sur la chaise et votre fesse droite en dehors de la chaise un petit peu. Et là, amenez votre pied droit derrière, comme ceci. Alors, on allonge la jambe. Main gauche, vous pouvez la mettre sur le dossier de votre chaise. Et on s'étire vers le haut avec le bras droit. Et on relâche. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Alors, tournez-vous vers la droite. Alors, allongez votre jambe gauche. Allongez votre bras gauche. Vous devriez sentir l'étirement ici, là, devant votre hanche.
inspirez, expirez doucement. Et on revient vers l'avant. Maintenant, nous allons enchaîner avec des exercices en position debout. Alors, vous allez vous lever et vous allez placer votre chaise, si vous avez un tapis de yoga, en plein centre de votre tapis de yoga. Alors, placez-vous à droite. Tiens, je vais me déplacer un peu. Comme ceci. Alors, ce qu'on va faire maintenant, vous allez allonger votre jambe droite, plier votre genou gauche un petit peu, main derrière la nuque, on pousse le coude vers l'arrière. Alors, on va lever notre hanche et on va emmener la jambe derrière et on va revenir devant ensuite. Ça va? Vous êtes prêts? On y va. Alors, on lève et on s'en va derrière. On va toucher au sol avec les orteils. On revient devant. Et encore une fois, gardez votre dos bien droit, devant et derrière. Encore une fois, devant et derrière. On retourne devant et derrière et on va le faire une dernière fois maintenant. Devant et derrière. On en fait deux de plus. On est capable. Allez, devant. Là, on lève bien la hanche. Et derrière. Et là, c'est la dernière. Et on marche un petit peu sur place. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Alors, déplacez pas votre chaise, c'est juste moi qui vais la déplacer pour me recentrer. Comme ceci. Alors, cette fois-ci, votre main droite sur la chaise. Allongez votre jambe gauche. Pliez votre genou droit un peu. Main derrière la nuque. Alors, même exercice. On lève la hanche. On amène les orteils derrière. Et on lève la hanche et on revient devant. Encore même chose. Encore trois fois le même exercice. Alors, devant et derrière. Et devant et derrière. Et une dernière fois maintenant. Devant et derrière. On ramène notre pied, on marche un peu sur place. Alors, cette fois-ci, tout le monde, vous allez déplacer votre chaise vers votre gauche, comme ceci. Alors, on place la chaise, on s'assure qu'elle est bien solide. Alors, vous allez placer vos deux mains sur le siège, comme ceci, genoux pliés un peu. Si vous trouvez que c'est trop dur pour votre dos, vous pouvez le faire à l'inverse avec vos mains sur le dossier. Alors, comme ceci, pliez vos genoux un peu. Et là, on va lever la jambe droite vers l'arrière. Alors, rentrez votre ventre serré, poussez vos épaules vers le bas. On lève pour 3. Et on redescend pour 1. Encore une fois, on lève 3, 2, 1. On redescend. 3, 2, 1. On redescend. 3, 2, 1. On redescend. 3, 2, 1. Et là, on va faire le contraire. On va lever pour 1. Et on redescend pour 3, 2 et 1. Encore une fois, on lève. Descend, descend, descend. Levez. Descendez, descendez, descendez. Levez. Descendez, descendez. Encore une fois. Et on descend pour 3. OK, alors maintenant, levez votre jambe et on la garde comme ceci.
Et là, vous allez allonger votre bras gauche. Et on s'incline un peu en avant. On essaie de faire une belle ligne droite avec le bras, la jambe et le dos. Et on garde. Et relâchez. Alors, on va amener notre chaise de l'autre côté. Vous pouvez rester là si vous préférez. Ou déplacez-vous, ça va être mieux. Tiens, comme ceci. Alors, on va faire la même chose avec la jambe gauche. Alors, pliez vos deux genoux un peu, main sur le siège. Poussez vos épaules vers le bas. Alors, on lève pour trois. Et on redescend pour un. C'est la jambe gauche. Trois, deux, un. Et on redescend. 3, 2, 1. Et on redescend. 3, 2, 1. Alors maintenant, on fait l'inverse. Alors on lève pour 1. On descend pour 3, 2 et 1. Encore une fois. Lève. Descend. 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 Lève. Et lève. On le fait une dernière fois. Lève. Maintenant, levez votre jambe encore une fois. Cette fois-ci, allongez votre bras droit. Et on essaie de faire une belle ligne droite avec le dos, le bras et la jambe. Et on garde. Et relâchez. Gardez vos mains sur le bout de la chaise. Reculez maintenant. Ouvrez vos pieds à la largeur de vos hanches. Amenez votre tête entre vos deux bras. Et poussez vos épaules vers le sol. Regardez vos chevilles. On inspire, on expire. On remonte lentement vers la chaise. Alors, cette fois-ci, gardez vos mains sur le siège de votre chaise. Pliez vos genoux un petit peu. Et maintenant, vous allez arquer le dos vers le sol. On regarde en haut. Arrondissez votre dos. Amenez votre menton sur votre poitrine. Encore une fois, on arque le dos. Et on arrondit. Une dernière fois, arquez, on regarde en haut. Arrondissez votre dos maintenant. Et on garde quelques secondes. Et redressez-vous. Alors maintenant, vous allez ramener votre chaise. Comme ceci. Alors sur votre tapis, vous pouvez placer les pattes sur le bout du tapis avant. Ou vous pouvez rester en plein centre. Alors, moi, je vais rester en plein centre pour être sûr que vous me voyez bien dans l'écran. OK? Alors, maintenant, on va ouvrir comme ceci. Alors, ce qu'on va faire, léger appui sur la chaise, on va plier les genoux et vous allez pousser votre jambe droite vers la gauche. On va refaire un plié et vous allez pousser votre jambe gauche vers la droite. Vous êtes prêts? On y va. Alors, on plie. On pousse vers la gauche. Et on plie. On pousse vers la droite. Et on plie. On pousse vers la gauche. Plie. On pousse vers la droite. Encore, même chose. À gauche. Et à droite. Et à gauche. Et à droite. Et on relâche. Alors, replacez votre chaise en plein centre du tapis. Comme ceci. Alors maintenant, on va enchaîner avec l'arbre. Alors, main gauche sur le bout de la chaise, sur le dossier, en fait. Alors, pliez votre jambe droite, votre genou droit. Amenez votre pied vis-à-vis votre genou, comme ceci. Allongez votre bras devant. Alors, on va ouvrir le genou
et on ramène le genou en avant. Encore une fois, on ouvre. Et on ramène devant. Et on ouvre. Et on ramène devant. Alors, cette fois-ci, vous allez ouvrir et on va garder cette position-là. Alors, vous avez le choix d'avoir votre pied vis-à-vis votre genou ou un petit peu plus bas ou encore vos orteils au sol. Rentrez votre ventre serré, serré. Maintenant, levez votre bras droit. Vous allez fixer un point au sol en avant de vous. Alors, quand vous sentez que ça va bien, on lève le bras gauche. Et on garde. Fixez bien votre point au sol. Ramenez votre genou devant et redescendez vos bras. Amenez votre pied au sol. On va aller faire la même chose au côté. Alors, faites simplement que vous déplacez de l'autre côté de la chaise. Alors, levez votre genou gauche. Allongez votre bras devant vous. On ouvre. Et on ramène le genou devant. Encore une fois, on ouvre. Et on ramène devant. Et on ouvre. Et on ramène devant. Alors maintenant, ouvrez votre genou, positionnez votre pied où ça vous convient. Levez votre bras gauche. Fixez votre poing au sol. Quand ça va bien, on lève le bras droit. Et on garde. Si vous préférez, vous pouvez garder votre main droite sur le dossier de la chaise. OK, maintenant, ramenez votre genou devant. Et on ramène le pied au sol. Alors, maintenant, on va se positionner pour notre série de guerriers. Vous allez déplacer votre chaise vers la gauche, comme ceci, et placez-vous à droite de votre chaise. Alors, on ouvre très, très grand, comme ceci. Vous allez tourner vos deux pieds vers la gauche, vers votre chaise. Gardez vos hanches en avant. Allongez vos bras. Maintenant, on descend les bras comme ceci en bas et en remontant, on plie le genou gauche et on regarde la main gauche. Encore une fois, on croise les bras en bas et on plie, on regarde la main gauche. Une dernière fois, on plie et on regarde la main gauche. Alors, assurez-vous d'avoir vos épaules bien face à l'avant. On garde cette position-là. On inspire, on expire doucement. Dépliez votre jambe, croisez vos bras à nouveau. Et on replie le genou gauche. Alors cette fois-ci, on va s'appuyer sur la cuisse ou sur la chaise et on va s'étirer vers la gauche. Inspirez, expirez. Alors, regardez droit devant vous. Redressez-vous. Alors, maintenant, vous allez pousser votre hanche droite vers la droite le plus possible. Gardez votre jambe gauche tendue. Main gauche sur le bout de la chaise. Allongez votre bras au-dessus de votre épaule droite. On regarde en haut ou tout droit en avant. On inspire, on expire. Pliez votre genou gauche maintenant et on redresse. Et on ramène nos pieds comme ceci, doucement. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Votre chaise à votre droite, placez-vous à gauche. On ouvre très grand. On tourne les deux pieds vers la chaise, vers la droite. Ramenez vos épaules en avant. Allongez vos bras. Alors, on croise nos bras. On remonte, on plie le genou droit, on regarde la main droite. Encore une fois, on croise.
On plie le genou, on regarde la main droite. Une autre fois, la même chose. On regarde la main droite. Alors, cette fois-ci, gardez cette position-là. Si votre chaise est dérangeante un petit peu, vous pouvez la déplacer. Alors, on regarde la main droite. On inspire, on expire. Dépliez votre genou droit en croise encore les bras et on plie. Alors, cette fois-ci, vous allez vous appuyer sur votre cuisse droite ou votre main sur la chaise et on s'étire vers la droite. Regardez en avant. Inspirez, expirez doucement. Redressez-vous. Alors, cette fois-ci, poussez votre hanche loin à gauche. Allez déposer votre main sur la chaise. Gardez votre jambe droite tendue. Allongez votre bras au-dessus de l'épaule gauche. On regarde en haut ou tout droit en avant encore. Inspirez, expirez doucement. Pliez votre genou droit maintenant. Et on revient comme ceci. Alors, on va faire le chien tête en bas encore une fois. Alors, placez vos mains sur le dessus de la chaise. Ouvrez vos pieds à la largeur de vos hanches. On recule, on recule, on recule. Amenez votre tête entre vos deux bras. Et maintenant, poussez vos épaules vers le sol. Regardez vos chevilles. Et on retourne vers la chaise, pas trop rapidement. Prenez votre chaise maintenant. Alors, on la ramène comme au début. Alors, les pattes avant sur le bout du tapis. Comme ceci. Alors, asseyez-vous. Encore sur le bout de la chaise toujours, vos pieds à la largeur de vos hanches. On va terminer avec des étirements maintenant. On va ouvrir les bras comme ceci vers l'arrière. On arque le dos. Et maintenant, vous allez arrondir votre dos. Encore une fois, la même chose en dos. Et on arrondit le dos. Et redressez-vous. Alors maintenant, vous allez croiser vos mains. On va changer l'exercice un petit peu. Alors, allongez vos bras devant vous, comme ceci. Alors, on inspire, on lève. On expire, on ramène les bras devant, comme ceci. On va arrondir le dos en même temps. Alors, on y va. On inspire et on expire, on arrondit. On inspire et on expire. Encore une fois, la même chose, on inspire. Et on expire. Et on relâche. Bougez vos épaules. Un peu. Alors maintenant, amenez votre pied droit sur votre genou gauche. Comme ceci. Main gauche sur le côté de la chaise. Allongez votre bras droit. On s'incline vers la gauche. En même temps, essayez de pousser votre genou vers le sol. Relâchez votre épaule gauche. Et redressez-vous. Alors, placez votre main au genou, l'autre main à la cheville, comme ceci. Redressez votre dos et tirez le dos vers l'avant. Comme ceci. Pensez à tirer le bas du dos vers l'avant. Alors, si ça va bien, allongez votre bras. Comme ceci, amenez votre main gauche en avant de votre genou et on tire un peu plus loin en avant.
et redressez-vous. Alors, même chose au côté, pied gauche sur le genou droit, main droite sur le côté de la chaise, allongez votre bras gauche. On s'incline vers la droite et on pousse le genou gauche vers le sol en même temps. Et redressez-vous. Alors maintenant, main au genou, main à la cheville, dos bien droit. On tire le dos en avant. Si ça va bien, allongez votre bras contre votre jambe et amenez votre main droite devant votre genou droit et on tire le dos un peu plus loin en avant. On garde un peu encore. Et redressez-vous, ramenez votre pied au sol. Alors maintenant, on va faire comme au début, on va s'étirer vers l'arrière, mais cette fois-ci, vous allez tourner vos bras comme ceci vers l'arrière. Arquez le dos. Maintenant, on va arrondir le dos et vous allez tourner vos bras dans l'autre direction. Encore une fois, on ouvre très, très grand. Et on arrondit. Et une dernière fois, on ouvre très grand. Et on arrondit. Et relâchez maintenant. Bougez vos épaules un peu. Ouvrez vos pieds un peu plus larges. On va faire une pince avant, comme on a fait au début. Alors, on inspire. Et on expire, on s'en va vers l'avant. Relâchez votre tête, vos épaules, vos bras. Inspirez, levez les bras de chaque côté. Expirez, descendez vos mains devant votre cœur. Alors maintenant, croisez vos mains. Amenez vos mains derrière votre tête, comme ceci. Gardez votre dos bien droit. Inclinez votre tête en avant et rapprochez vos coudes, poussez vos épaules vers le sol. On garde quelques secondes. On inspire, on expire doucement. Et relâchez maintenant. Inspirez, on s'étire vers le haut. Levez vos épaules bien haut. Expirez, descendez vos mains devant votre cœur. Et encore une fois, on inspire et on expire. Alors, bravo tout le monde. J'espère que ça vous a fait du bien et j'espère vous revoir bientôt.